Suite à un conflit intercommunautaire qui s'est produit le 20 juillet dernier dans la région du Bata, le gouverneur Jean-Bernard Padaré a fait le déplacement de la localité d'Attaouil dans la sous-préfecture d'Assiné pour réconcilier les deux parties. Mahamat Tahir Dibrine Alhour. Affrontement intercommunautaire entre deux branches de la communauté missirien noire à Laouné de la localité Attaouil, sous-préfecture d'Assinette. Il s'agit de Wulat Djodé et Wulat Makhani. C'est un litige autour du terroir à l'origine de la bataille rangée qui s'est produite ce 20 juillet et soldée par deux morts de côté de Djodé et un mort de côté des Makhani. Dans la foulée, un convoi de renfort composé de 40 cavaliers venant de Bitkin dans le Guira a été maîtrisé et ses membres arrêtés à l'entrée de la sous-préfecture de Kundjuru par les forces de défense et de sécurité de la dite localité. Cette promptitude des éléments basés à Kundjuru a été chaleureusement saluée par le gouverneur de la région du Bata, Maître Jean-Bernard Padaré, qui a fait le déplacement d'Attaouil accompagné de tous ses collaborateurs civils et militaires. Après entretien avec le comité de médiation et les représentants des deux parties, le gouverneur a réussi à convaincre les frères ennemis à s'asseoir enfin sur une même natte et décider de se réconcilier définitivement en jurant sur les cinq Corans pour ne plus recommencer et en signant impact de non-agression. Une dia composée de plusieurs têtes de bœufs est aussi remise aux parents des personnes décédées. C'est un problème de terroir. La justice a rendu une décision. Cette décision, elle est exécutoire. Les meurtriers qui ont occasionné des morts de deux côtés ont été appréhendés et seront également transférés à Korotoro. Et nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une confiscation administrative des 40 chevaux qui devraient intervenir pour encore causer ce qu'on appelle le désordre dans la région. En fait, ils venaient pour attaquer les Wulat Djodé. Le gouverneur s'est ensuite rendu chez les parents des victimes.